Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arman Suryanugraha. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang satelit bank BRI. Salah satu bank pertama di Indonesia yang memiliki satelit adalah bank BRI. BRISAT adalah nama untuk satelit milik Bank Rakyat Indonesia, BRI, sebuah perusahaan perbankan di Indonesia. Satelit BRISAT dibuat oleh Space System, LORAL, SSL, dan diluncurkan di pusat peluncuran Ariane Space. Satelit tersebut ditaksir diluncurkan oleh roket Ariane 5 di pusat antariksa Guyana. Pelabuhan Angkasa Eropa pada tahun 2016. Satelit BRISAT mampu menjangkau wilayah Indonesia, ASEAN, Asia Timur termasuk sebagian Tiongkok, Laut Pasifik termasuk Hawaii dan Australia Barat. Guna mempersiapkan diri menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015, PT Bank Rakyat Indonesia, Persero, terbuka memperkuat infrastruktur perbankannya dengan jaringan komunikasi berbasis satelit. Menggandeng Space System, LORAL, LLC dan Ariane Space, Bank BRI mengambil alih slot orbit satelit Palapa C2 milik dan menjadikan satu-satunya bank di dunia yang memiliki dan mengoperasikan satelit sendiri. Menurut Sofyan, saat ini jaringan komunikasi yang digunakan oleh Bank BRI untuk mendukung operasional di seluruh jaringan kerja sudah mencapai kapasitas 23 transponder. Kebutuhan jaringan komunikasi tersebut dipenuhi oleh 9 provider, baik yang berbasis satelit maupun terestrial. Dengan mengoperasikan satelit sendiri, maka bisnis proses, standar layanan dan competitive advantage Bank BRI akan jauh lebih baik, sehingga kinerja perusahaan akan meningkat, yang pada gilirannya akan meningkatkan wealth para pemegang saham, papar Sofyan Basir. Berikut ini merupakan video detik-detik peluncuran satelit BRI yang bernama BRI Sat. Voilà, il reste moins d'une minute. Nous saluons tous ceux qui nous regardent dans le monde entier sur arianespace.com, nos amis d'Airbus Defence and Space en Europe, à EcoStar et à Dish Network, à leur siège d'Englewood dans le Colorado, PT Bank Rakyat à Jakarta, SSL à Palo Alto en Californie, au CNES et à Arianespace à Paris et tous nos partenaires industriels en Europe. Et y compris ma conjointe qui attend que je rentre à Denver. Il reste quelques secondes, nous allons entendre le décompte final. Profitez du spectacle. À tous de vidéo, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Allumage Vulcain. Allumage des AAP, décollage. Les paramètres à bord sont nominaux. And in the memory.
Encore un magnifique lancement en la mémoire de Mohamed Ali, ce grondement dans la jungle et la signature d'Ariane 5 qui s'élève au-dessus de Kourou. Tous les paramètres à bord sont nominaux. C'est mon 10e lancement et le spectacle est toujours aussi époustouflant. 57 secondes de vol et Ariane 5 a déjà franchi le mur du son. Le bâtiment Jupiter tout entier commence à trembler alors que le lanceur s'élève au-dessus des îles du Salut, rendu célèbre par le film Papillon. 1300 tonnes de poussée ont permis d'arracher le lanceur à la gravité terrestre. 90% de cette puissance provient des deux EAP. Chaque EAP mesure 31 mètres. Il consomme 240 tonnes de poudre en 2 minutes. Cela représente 2 tonnes par seconde, plus de 2 tonnes par seconde. Lorsque les EAP auront terminé leur mission, dans un peu moins d'une minute, Ariane sera déjà à 70 km d'altitude, une vitesse incroyable. Et vous voyez en bas de l'écran les chiffres pour le lancement de ce soir. Cette donnée provient de Galio, une station de suivi qui se trouve sur une colline ici derrière nous à Jupiter. Cela fait 2 minutes 10 de vol. Les VIP ne sont pas encore rentrés. Ils attendent l'extinction et la séparation des EAP dans 3 secondes environ. On entendra l'annonce de la séparation des EAP. Les EAP qui auront effectué leur mission. Ils ne seront plus nécessaires. Et d'ailleurs, vous voyez l'animation à l'écran. Nous sommes allégés d'environ 600 tonnes et le lanceur pèse maintenant 180 tonnes. Et tout cela en 2 minutes. Et la vitesse s'accroît grâce à cet allègement. Nous attendons maintenant le largage de la coiffe. Accélération à bord. La coiffe a servi à protéger les satellites au sol et durant les premières phases de vol. Voilà, vous avez vu l'animation à l'écran avec la séparation et largage de la coiffe. Encore une fois, on a perdu 2 tonnes et vous voyez des images d'un vol précédent par une caméra embarquée alors que la demi-coiffe retombe. Le lanceur est à 118 km d'altitude, nous sommes dans l'espace, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. Vous voyez à l'écran les différents chiffres en bas de l'écran. Et on regardera également la courbe de trajectoire qui se trouve en haut à droite sur votre écran. Vous voyez la courbe, vous voyez le curseur vert qui se déplace le long de la courbe. Nous voulons que ce curseur soit parfaitement superposé avec la courbe, ce qui signifie que la performance est nominale. On voit les différents responsables, dont Bruno Gérard, chef d'établissement Ariane Espace à Kourou, Joël Donadel, représentant de l'ESA à Kourou, et Bernard Chemoul, le directeur du CSG.